François-Vincent Tellier est tombé amoureux de celle qui allait devenir sa femme, Alice Dupourd, dès qu'il l'a vue sur la scène du Crazy Horse. Invité de Télématin ce samedi 3 juin, il a raconté comment il a finalement réussi à la séduire. Ce samedi 3 juin, l'acteur belge François-Vincent Tellier était l'invité culturel de Télématin. L'occasion pour lui de parler de son actualité, puisque, en plus d'être présent dans l'émission 100% France animée par Bruno Guillon ce soir sur France 2, il est aussi sur scène dans la pièce La maîtresse de mon fils qui est à l'affiche au Palais des Glaces. Son passage dans Télématin a aussi été l'occasion pour François-Vincent Tellier de revenir sur sa belle histoire d'amour avec l'actrice Alice Dufour avec qui il est en couple depuis 13 ans. Ensemble, ils ont une petite fille, Colette. Je suis amoureux, François-Vincent Tellier raconte son coup de foudre pour Alice Dufour. Je suis invité au Crazy Horse et il faut savoir qu'au Crazy Horse, toutes les filles sont des clones. Elles ont des perruques, elles sont habillées de lumière et elles se ressemblent toutes. Elles sont sublimes. Si est-il la femme sublimée? J'étais avec un ami et quand j'ai vu Alice sur scène, je n'ai vu qu'elle, alors qu'elles sont 13. J'ai dit, je suis amoureux. Mon ami m'a dit, mais arrête, arrête. On est tous amoureux. Je lui ai dit que j'étais vraiment amoureux, et là, j'ai galéré. J'ai essayé de la retrouver et c'était compliqué, parce que les filles du Crazy Horse sont très surveillées et protégées, a-t-il raconté dans un premier temps. La glace a été brisée et je l'ai séduite. François-Vincent Tellier a finalement réussi à rencontrer Alice Dufour et les choses n'ont pas été simples. Au bout de quelques semaines, elle accepte finalement un rendez-vous et on va à une avant-première. Je vais la chercher en taxi et elle entre dans le taxi en tirant la tête en me disant, tu te rends compte que tu m'as vu nu, ce n'est pas normal comme rencontre. J'ai dit que je comprenais et j'ai commencé à me déshabiller dans le taxi pour qu'elle me voie nu. Et là, elle arrive. La glace a été brisée et je l'ai séduite. Ça s'est bien passé et c'était il y a 13 ans, a-t-il poursuivi. Charmé par l'histoire de cette rencontre, Damien Thévenot a suggéré à François-Vincent Tellier de faire un film. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.